L'émission Monseca de Malheur Moderne, bonjour. Voilà l'émission Monseca de Malheur Moderne, Napes Binonio Sombote. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans notre rubrique technique de cuisine et je vais vous montrer la technique qu'on appelle faire des pommes de terre tournées. Voilà, donc les pommes de terre tournées, c'est une technique qu'on retrouve souvent chez les restaurateurs. C'est d'ailleurs le cauchemar des stagiaires. Un jour j'ai été stagiaire dans un restaurant et je devais faire des pommes de terre tournées tous les jours. Mais c'est une bonne technique parce qu'à force d'en faire, après, ça devient facile pour vous. Donc, je vais faire la technique et je vais vous expliquer des raisons valables pour ne pas faire ça régulièrement chez vous. La première raison, c'est notamment le gaspillage. Il faut savoir qu'un restaurateur a un besoin d'en mettre plein la vue à sa clientèle, que vous n'avez peut-être pas besoin, mais vous avez peut-être besoin d'en mettre plein la vue à vos invités si un jour vous recevez des gens. Donc, je vais vous montrer. Donc pour les pommes de terre tournées, moi je choisis souvent les pommes grenailles. Bon, comme on dit en lingala, na poto ba pomme de terre zaranaba combo. Hein. En Europe, les pommes de terre ont des prénoms, des noms. Il y a des pommes de terre Charlotte, il y a des pommes de terre à chair ferme pour cuisson à la vapeur. Bref, les toutes petites là, c'est les grenailles. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. C'est beaucoup plus cher que les pommes de terre ordinaires. Vous comprendrez pourquoi au resto, une assiette coûte cher. Voilà, je vais vous montrer la taille, le calibre. Ça donne à peu près ça. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça régulièrement chez soi. C'est pour des raisons, on va dire, de bon sens. Parce que la pomme de terre tournée, c'est une méthode qui fait gaspiller de la chair et beaucoup de choses. Mais bon, dans beaucoup de techniques de restaurant, on a recours à ce genre de méthode pour le côté visuel de la chose. Donc, à chaque fois que vous me verrez faire une belle assiette, hein, notamment dans la rubrique que je ferai bientôt, destinée justement aux Congolaises qui veulent cuisiner pour leur mari européen. Donc l'inverse de comment cuisiner pour son mari congolais, maintenant c'est comment cuisiner pour son mari mundele. Donc en d'autres termes, le type plutôt européen. Je vous montrerai comment faire de belles assiettes pour quand belle maman elle vient, elle dise « Waouh, mon Dieu, qu'est-ce que cette Congolaise fait de belles choses !» Voilà, donc vous tenez votre pomme de terre. La pomme de terre tournée se fait au couteau. Et donc la méthode consiste à couper pour obtenir des coins. Et normalement vous ne devez pas rater votre coup, il ne faut pas faire des trucs comme ça, il faut aller en une fois. Donc on enlève déjà ça, ne soyez pas scandalisés. J'ai prévenu, ce n'est pas économique. Normalement on tient la pomme de terre comme ça. On enlève en même temps et la peau et la chair sans s'arrêter. On va du haut en bas pour former des coins. Le but c'est d'avoir les coins là. Voilà. Et ça en plus, quand vous êtes dans un resto, vous devez le faire très rapidement. Vous obtenez ceci, vous comprendrez très vite quand vous le verrez dans l'assiette. Et là, vous mettez dans l'eau. Si vous prenez des pommes de terre trop grosses, vous ne pourrez pas faire le coup en une fois et ce ne sera pas des vraies pommes de terre tournées, il y aura des faux plis. Vous voyez ? Voilà, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, hein. J'ai un peu perdu la main. L'époque où je devais faire ça en stage, c'est révolu. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose de facile pour les étudiants en hôtellerie. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être périlleux. Voilà. Voilà, donc chaque jour, on essayera, ou alors un jour sur deux, de vous proposer une technique de cuisine. Souvent, c'est à 18h15, parce que les autres horaires sont déjà pris. 13h15, nous avons l'instant boisson. 16h15, en cas, plaisir gourmand, gâteau, sucrerie, plaisir sucré. Donc 18h15. Technique de cuisine, 20h15, plat du jour, et 22h15, image du bled. On essaiera de faire ça, mais ce ne sera pas au début tous les jours, hein, parce que vous pensez bien qu'il faut avoir le temps. Donc les jours où je suis en congé, je profite pour faire en avance plusieurs images. Et les autres jours, je vous garantis au minimum la vidéo du soir. Celle de 20h15, celle-là, c'est qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On va essayer de maintenir
tous les soirs. Donc ici, c'est la technique qu'on appelle pomme de terre tournée. Je vous envoie voir votre ami Google pour en savoir plus. Il existe aussi des carottes tournées. On peut faire des carottes tournées. Des navets tournés. Plusieurs légumes peuvent se faire tourner. Et voilà, ça va être ma dernière pomme de terre. Je vais la cuire et je reviens vous montrer ce que ça donne à la cuisson. Voilà, donc j'ai cuit les pommes de terre tournées. Vous pouvez les cuire aussi à la vapeur. Voilà, je vais montrer de près, ça donne ça. Il y a des coins. Et vous les reconnaîtrez très vite, c'est les pommes de terre que vous voyez au resto. Quand on vous met 4 minables petites pommes de terre, c'est ça. C'est ce qui justifie le prix. Les petites mains qui ont fait ça. Et puis, les pommes de terre grenaille qui sont très chères. Vous voyez, il doit y avoir des coins comme ça. Donc, il y a pommes de terre, bachaye, bacoin. Potolobana, lingala, pommes de terre tournées. Ce n'est pas une recette comme ici, on peut se combo à plat, pommes de terre tournées. Dans l'appellation d'un plat, on n'est pas obligé de détailler la technique. Parfois, ça arrive, hein. Il y a des plats où l'identification du plat se fait par la technique. Mais si je vous dis pommes de terre tournées, machin, ça n'ajoute rien. C'est pas des pommes de terre avec du parmesan ou avec quoi que ce soit. C'est juste la découpe. Donc voilà, pommes de terre tournées. C'est ça. Ça peut même tenir debout. C'est ce que vous voyez parfois sur les assiettes. On peut mettre ça parfois debout comme ça. 3 petites pommes de terre minables qui sont là. Et à la fin, vous payez 75 euros. C'est ce genre de délire. Voilà, ça fait partie de la gastronomie. Ça fait partie du professionnalisme. Voilà. Ok, je vais vous montrer tout à l'heure. Dans une autre vidéo, vous verrez le dressage complet. Je vous renvoie vers la vidéo des filets de pangasius façon meunière. Vous y trouverez les pommes de terre dans l'assiette. Voilà. Pour aujourd'hui, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, cliquez sur « Abonner ». Activez la petite cloche sur toutes les notifications pour voir chaque fois des nouvelles vidéos. Et laissez-moi un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Si la vidéo ne vous a pas plu, si vous connaissiez déjà la technique, eh bien, je m'en excuse. La prochaine fois, peut-être que vous tomberez sur une vidéo qui vous sera utile. Voilà. Et l'émission Monseca de Maléa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui parle l'émission Monseca de Maléa Moderne. Break, the shadows start to fade.